Bien le bonjour les amis. Euh, Qu'est-ce que je pense du coup des autres gens qui parlent euh, du, du MBTI? Euh, je ne regarde quasiment aucune chaîne de MBTI. Je ne regarde en fait quasiment aucune vidéo en fait, qui parle du MBTI. À part euh, Objective Personality dont je suis le, le travail parce qu'on fait euh, pa enfin, parce que je fais pareil que, plutôt à peu près parce qu'on a quand même euh, des différences euh, majeures dans notre approche. Mais euh, à part positive personality, que, dont je suis le travail, je ne regarde quasiment aucune chaîne qui parle du MBTI que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans n'importe quelle langue, euh, que ce soit n'importe qui, en fait. Et une des personnes que je suivais avant, c'est justement Psychoscan, qui s'appelait avant par son prénom. J'ai oublié comment il s'appelait, mais il avait mis euh, son prénom. Elle, avant, je suivais la chaîne-là, j'y étais abonné, etc. J'avais même mis en chaîne recommandée sur ma propre chaîne euh, au début, et pendant longtemps, hein. Euh, mais voilà. Mais après, bah, je, je, je me suis rendu compte que je n'étais plus abonné, etc. Donc je, je l'ai enlevé parce que je recommandais un truc, mais je savais plus vraiment ce qui s'est passé. Mais euh, mais j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'aimais beaucoup et j'ai vu ces dernières vidéos. Elles sont, elles sont toujours plutôt bien faites, elles sont toujours intéressantes, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je pense donc de la concurrence euh, J'ai mis ça entre, entre guillemets parce que justement, je tiens à préciser que euh, moi, je, je ne les vois pas du tout comme des concurrents, etc. Au contraire plus on est à s'intéresser à ça, plus on est à parler du MBTI, etc., mieux c'est. Et ce sont juste, en fait, des approches différentes qu'ils ont. Le MBTI classique était là bien avant moi, je pense qu'il sera là même euh, bien après. Bien après Objective Personality, etc. Et peut-être que, justement, moi, je vais commencer à partir dans un délire et faire n'importe quoi, et en fait, c'est PsychoScan qui avait raison, etc. Et je parle en particulier de PsychoScan <laughs> parce que, par exemple, il y, y, y a le typage du, du professeur Didier Raoult ici, il y a Idriss Berken, ce sont des gens que nous aussi nous avons typé et on pas trouvé pareil. Euh, il me semble qu'il avait déjà aussi dit d'autres gens dans ses vidéos, enfin euh, typé, enfin dit une personnalité pour d'autres gens dans ses vidéos euh, pour lesquels on n'avait pas trouvé le même résultat. Usul par exemple, je ne l'ai pas typé, mais je suis quasiment sûr que je ne trouverai pas INTJ. Je le connais un peu et je, je suis quasiment sûr que quand je le typerai, je, je ne trouverai pas INTJ par exemple. Euh, je verrai hein, quand je l'aurai typé. Mais bon. Mais en tout cas, effectivement, euh, sur les typages des gens, même sur la manière de parler des personnalités, etc., on n'a pas la même approche. Euh, et je ne suis pas forcément d'accord, mais... Ce n'est que mon opinion, en fait. Quand je type les gens, ce n'est que mon opinion. La seule chose, c'est que j'ai une méthode... Enfin, la seule différence, en fait, entre moi et le El et le, et le Famoso MBTI classique, c'est que moi, j'ai une méthode euh, plus, plus précise sur laquelle je reviens souvent, des définitions qui sont un peu différentes, on a des éléments en plus avec les modes, etc. Et pour chaque typage que je fais, je montre pourquoi est-ce que j'ai typé à la personne comme ça, etc., etc., c'est tout. Si, enfin, ça reste, au, au final, ça reste mon opinion, ça reste mon avis. Mais il y a plein de gens comme ça, genre, c'est parfaitement probable que ce soit moi qui me trompe et que ce soit eux qui aient raison. Si, encore une fois, on peut parler de raison ou de tort. Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison ou de tort, en fait, dans, dans, dans la psychologie, etc. Ce n'est pas objectif, même la psychologie euh, euh, classique. Hein. Ce n'est pas euh, un truc qui est purement objectif. Tout ça, en fait, ce sont juste des questions d'opinion et c'est comme tout, en fait. Genre, tu vas voir un psychologue, tu vas en voir un autre, tu vas en voir un troisième. Les trois, ils te diront un truc un peu différent. Tu vas avoir des, des psychothérapeutes, tu vas voir ce que tu veux, tu vas avoir une voyante. Elle ne te prédira pas le même futur que, que l'autre voyante que tu iras voir. Donc, bref, tout ça pour dire que faut pas prendre, en fait, tout ça trop au sérieux. Et si, genre, qui que ce soit s'attend à ce que je dise « Oh, c'est de la merde Oh, psychoscan Oh, mon Dieu Didier route ENTP Pff, Mais quel bolos jamais de la vie en fait parce que euh, peut-être qu'il a raison euh, la vidéo sur YouTube que j'avais fait de Didier Raoult beaucoup de gens disaient qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils ne voyaient pas trop comment est-ce que j'ai pu euh, le typer euh, comme étant Yannavi etc et pour Idrissa Abarkane c'est pareil nous n'avons pas trouvé Yannavi mais vraiment moi c'est plus on est euh, de fou plus on rit en fait mais c'est juste plus on est en fait à s'intéresser à tout ça plus on est de gens à essayer de comprendre les personnalités plus on est de gens à travailler sur ce truc là plus en fait et je sonne comme un penseur extraverti là mais c'est effectivement la bonne méthode à adopter je pense plus on est en fait à chercher à, à voir comment ça marche à travailler sur ce truc là plus on aura d'idées plus on aura de méthodes différentes et puis du coup on pourra voir ok qu'est ce qui marche le mieux etc donc toutes ces chaînes là moi ce sont des gens dont je regarde Vite fait, je ne suis pas à comme j'ai dit, mais dont je suis un peu le travail. Il y a aussi d'autres créateurs de, de contenu en français, notamment la Famosa euh, Entre-de-la-Chouette. Il y a un autre site que je, que je, sur lequel je renvoie souvent Fiche de personnalité. C'est ce site-là, le blog Fiche de personnalité. Et euh, d'ailleurs, c'était un, un blog sur lequel j'allais énormément à l'époque où j'ai découvrais tout ça, etc. Et c'était un que je un des sites que je trouvais vraiment les meilleurs sur le MTI. Euh, les descriptions qu'ils en faisaient, elles étaient vraiment bonnes, etc. Et même encore aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, effectivement, ça ressemble bien à ce que nous, on voit. Les personnalités ENTJ aiment les vêtements couteaux de bonne qualité, mais ils peuvent trouver qu'il est difficile de combiner efficacement leur garde-robe. Cela est particulièrement visible chez les hommes. Ils sont très attirés par les combinaisons de couleurs lumineuses. Donc vraiment, tous les autres contenus, euh, surtout en français, qui parlent de ça, je trouve ça très très cool. Il y a de la concurrence, une compétition saine évidemment. Ça crée du coup une stimulation et ça, enfin, ça fait qu'on essaye tous d'être au top, etc. Tu vois ce que je veux dire Donc vraiment, moi, je ne les vois pas comme des concurrents au sens, au sens agressif. Je les vois comme des gens qui parlent aussi de ça. Euh, psychopersonnalité, Galbertelli, et, et je crois que j'ai compris, ont aussi un business model, etc. derrière. Donc je pourrais comprendre qu'on puisse commencer à se dire, ah, ce sont des concurrents, etc. Mais ce n'est vraiment pas un état d'esprit, je pense, qui est qui sain est et qui est même utile et ça ne servira à rien. Ce serait débile. Et en plus, on n'utilise même pas... De la même méthode, etc. Donc c'est normal qu'on trouve des choses différentes. Et même des gens avec qui on utilise les mêmes méthodes, on trouve des gens différents. Psychopersonnalité, je me souviens, elle avait fait une vidéo sur, sur sa chaîne avec un bus, euh, genre des gens dans un bus, comment est-ce qu'ils se comportent, etc. Mais je l'ai vu il y a longtemps, et j'avais trouvé vachement cool, vachement intéressante, vachement marrante, et tout. Elle était bien faite en plus. Elle faisait souvent des vidéos avec des, avec des animations, etc. C'était vraiment bien fait. Bref, ce sont en tout cas moi des gens dont j'aime beaucoup le travail, pour ceux que je connais. Je les connais tous un peu, je n'en connais aucun profondément. Donc voilà mon avis sur eux. Pareil pour l'entre de la chouette, c'était un des blogs sur lesquels j'allais le plus souvent quand j'essayais de comprendre les personnalités. Ce que c'était elle qui je trouve avait la meilleure approche, qui avait les descriptions les plus pertinentes, etc. Un autre site. Attendez. 16 types, je crois. Ouais, un site voilà avec un style, on dirait que ça a été fait en 2003, mais il était aussi vraiment cool. Vraiment sympathique, qui vraiment complet, etc. Je me souviens que j'avais même fait un don. <laughs> euh, je crois que le site est un peu mort, hein, donc je me suis peut-être arnaqué pour les INTP. Genre, il y avait plusieurs pages, etc. Très bien expliqué, enfin bref, plein de trucs super intéressants. Donc, vraiment pour dire que donc, les Alphamosos concurrents, euh, pour moi, ce n'en sont pas, ce sont vraiment plus des. des enfin, pas des collègues parce que je les connais pas, mais, euh, mais bref, en tout cas, moi je vois plutôt tout ça d'un très bon oeil. Et c'est juste. De toute manière plus il y a de chaînes etc plus les gens peuvent y trouver leur compte ceux qui préfèrent euh, euh, psychopersonnalité ou je crois que j'ai compris etc bah, tant mieux il me semble que Galbertelli aussi fait un truc euh, spécifiquement pour les introvertis etc donc tu vois parfait moi je parle de tout c'est très généraliste etc pour ceux qui veulent un truc plus, plus précis qui leur correspond plus ou qui leur parle plus voilà le repère des introvertis etc tant mieux tu vois ce que je veux dire donc voilà euh, voilà ce que je pense donc des autres gens qui parlent du MBTI Devenir le meilleur ou la meilleure de ta thématique sur Instagram. Alors, on va mettre tout de suite les points sur le i. Le but, ce n'est pas d'être le premier et d'aller vers le haut en tirant les autres vers le bas. Ce n'est pas de rabaisser le business des autres pour monter. Tu n'en sors pas grandi, en fait. Tu n'en sors pas grandi de, de vouloir te mettre en avant par le biais d'avoir enfoncé la tête de quelqu'un d'autre. Retenez bien ça ce ne sont pas des concurrents. Vous n'êtes pas dans une compétition. C'est simplement un challenge où toutes les personnes peuvent gagner. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Moussa de Guinée. Qui me demande comment, en tant que manager, se débarrasser de concurrence nuisible Ah Alors, Moussa, je pense que ce n'est pas forcément dans, dans ce sens qu'il faut que tu te poses la question.